comme j'avais vu sur voilà, le statut et tout, j'ai écrit là-bas, je dis merci à Seludalen Diallo, président de l'IFDG, donc d'avoir désisté à sa plainte de Dixine contre Ousmane Nielo Diallo, mon frère, et moi, Fatou Nielo Diallo. Donc, c'est un direct qui va pas être long, mais vous savez, quand les choses viennent sur la place publique, voilà, ça se termine sur la place publique. Voilà. La plainte, tu l'avais porté plainte contre Ousmane et moi depuis 2019. C'est ce plainte qu'il avait réactivé bon, monsieur Seludalen, hein? Excusez-moi. Excusez-moi, parce que faut pas que je manque du respect. Monsieur Seludalen Diallo, parce que voilà, c'est à cause de ça. Monsieur Seludalen Diallo, d'abord, j'ai décidé que je ne vais plus parler de lui et son IFDG. Ça, c'est une promesse que je vais tenir. Donc, m'attaquer à lui. Voilà. Donc, quand je veux parler de lui, par exemple, ça là, on parle de lui, c'est de lui que je veux parler. Je dis, monsieur Seludalen Diallo. Donc, c'était la plainte de Dixine. La première plainte de Dixine, c'était la plainte de 2019. Et qu'il a réactivé en novembre 2021. Donc, c'est sur cette plainte que j'étais sous contrôle judiciaire. Et c'est sur cette plainte aussi que j'étais, comment je vais dire, on a décerné le mandat d'Aminé. Donc, aujourd'hui, je vais dire merci. Et mon papa est fâché contre moi. Je ne le décroche pas, je sais. Il va dire, arrête de taper sur le... Il a dit même, je sais qu'il est fâché, je sais qu'il me regarde comme ça. Mon papa m'a bêté. Mais je vais rester comme ça d'abord. Je veux, quand je vais finir avec le CNRD, je vais partir maintenant demander pardon à mon papa. Il est fâché, je sais. Ça, je sais, il est fâché contre moi. Parce qu'il veut pas même, il ne veut même pas me voir sur Facebook. Mais le moment venu, mais pour l'instant, là, papa, pardon. Donc, la plainte, monsieur Seludalen Diallo, le président de l'IFDG, sa plainte de Dixine qu'il avait portée en 2019 et qu'il a relancée en 2021, novembre, contre mon frère Ousmane Nielo Diallo et moi, Fatmata Binta Diallo, Fatou Nielo. Il a désisté à la plainte aujourd'hui. Donc, ensemble, disons merci à M. Seludalen Diallo pour la compréhension et tout. Merci beaucoup. Et merci, Elhadj, pour ceux qui aiment te dire Elhadj Seludalen Diallo. Merci, Elhadj Seludalen Diallo. Et merci, M. Seludalen Diallo, le président de l'IFDG. Merci pour la compréhension. Et merci. Je suis contente parce que ce qui reste clair, quand tu as affaire avec la justice, la justice, c'est la justice. Donc, s'il y a une plainte, déjà il y avait trois plaintes. Donc, quand il y avait trois plaintes contre mon petit frère et moi, et aujourd'hui, dans les trois plaintes, on ne parle qu'une seule plainte. La personne concernée, qui est Seludalen Diallo, a retiré ses deux plaintes, celui de la ville en première position, et aujourd'hui il retire celui de Dixine, celui ce qui lui concerne lui en personne et tout. Donc moi je ne peux dire que Dieu merci, alhamdoulilah, c'est une très bonne chose. Et je dis merci à monsieur Seludalen Diallo. Je suis vraiment très contente aujourd'hui parce que si quelque chose qui était toi c'est parti jusqu'à se rester un. C'est de dire merci à Dieu, merci pour la compréhension, merci beaucoup, merci, merci, je suis contente et c'est ça. Voilà, je ne l'ai pas fait,
J'ai pas dit que je vais plus t'attaquer, je vais plus m'attaquer à l'IFDG par peur. Non, mais je vais plus m'attaquer à toi, Selou, à tes parents et à ton IFDG. Ça, j'ai promis ça à ma mère. Je vais plus jamais le faire. Je vais plus jamais le faire. La politique, voilà, je veux faire la politique autrement et tout. Et tu sais, j'ai prouvé au monde entier que je n'étais pas aussi envoyée. Je n'ai jamais été envoyée pour le RP, par le RPG ni par Alpha Condé. J'ai fait de nous mon propre gré. On a fait de notre propre gré. On a fait de notre volonté. Voilà. Donc si aujourd'hui, à cause de la personne qui m'a mise au monde, qui est ma mère, elle m'a demandé de te laisser tranquille, de te laisser, de ne pas t'attaquer, de ne pas t'insulter, de ne pas insulter tes parents, de ne pas parler de ton parti, IFDG. Elle m'a dit ça, c'est tout ce qu'elle me demande. Donc, j'ai accepté, c'est une vérité. C'est ma mère. Et puis voilà, je t'ai pas envoyé aussi. Et puis, je me dis sincèrement, ceux qui étaient là, qui m'attaquaient, qui m'insultaient, s'ils m'attaquent plus, ils m'insultent plus. Pourquoi m'attaquer seulement sur toi? Attaquer parce que j'ai envie de t'attaquer, attaquer parce que non, je ne faisais que répliquer. Si les personnes qui m'attaquaient, qui m'insultaient, qui insultaient, moi, même pas moi, moi, tous les injures que les gens là ont fait, si c'est moi, ils insultaient, moi, je n'allais pas insulter tes parents. Mais insulter mon papa, c'est ce qui m'a fait mal. S'attaquer à mon père, insulter mon papa, l'afficher, insulter ma mère. Mon papa qui est décédé, IFDG, mon papa, toi-même, pour vous tous, IFDG, vous savez, si moi, mon père vivait, je n'allais jamais, on n'allait jamais quitter IFDG, on allait être là-bas. Il est décédé, IFDG. Il a aimé ce parti. Il t'a aimé, toi, Selou Dalé. Il a fait de toi ce que tu es en politique. Si aujourd'hui, les gens, toi et moi, il y a eu un problème. Je me suis fâchée parce que mon papa est décédé, tu n'es pas allé. Ce n'est pas même ça qui m'a fait mal. C'est parce que l'ami de papa est décédé dans le même village. Tu es allé là-bas. Donc j'ai compris que tu pouvais. Et moi, je m'attendais de toi une excuse. Tu me dis, Fatou, je suis désolée. Ça n'allait rien te coûter, rien du tout. Ce n'est pas une faiblesse. S'excuser, c'est la grandeur. C'est que si tu t'excuses là, ça ne va pas te rabaisser. Si ça ne va pas te grandir là, en tout cas, ça ne va pas te rabaisser, n'importe qui. Qu'est-ce que ça n'est rien te faire. Donc, on a quitté. Tu as des clients aujourd'hui sur Facebook, ils ne t'aiment pas. Ils s'enrichissent sur ton dos. Pour eux, quand quelqu'un quitte ton parti ou quand quelqu'un a un problème avec toi, il faut venir s'attaquer à la personne, il faut venir insulter à ce dernier. Les gens là ne t'aiment pas, c'est eux qui ne t'aiment pas, c'est eux qui te créent tous les problèmes que tu as aujourd'hui. Monsieur Selou Dalé Diallo. Je te dis monsieur parce que voilà, même en te disant Selou Dalé, les gens n'aiment pas. Les gens vont dire que, tu vois, elle manque du respect. Donc, monsieur Selou Dalé Diallo, il est là, Selou Dalé Diallo. Les gens sont là, ils ne font que t'attaquer, ils ne font qu'attaquer les personnes qui ne sont pas dans ton esprit. Même Dieu qui nous a créés, l'unique Dieu là, il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas Dieu leur Dieu. Il y a des gens, c'est les bois, c'est les arbres et c'est les cailloux qui ils se disent, eux, c'est eux leur Dieu. Même le prophète Mohammed, paix salut sur lui, le dernier messager de Dieu là, il y a des gens qui ont dit non, que le prophète Mohammed, paix salut sur lui, n'est pas leur prophète. Donc si tu as un parti politique, il y a des gens avec qui tu étais, ils ont décidé de quitter, de partir. Où est le mal dans ça? C'est d'accepter et dire aux autres, non, moi, Selou, je vais te dire aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a remonté, m'a poussé à insulter, à aller, à faire tout ce que j'ai fait sur Facebook à ton égard. C'est parce que tout simplement, tu n'as jamais condamné Selou. Tu pouvais condamner, tu pouvais dire non. Que personne n'insulte la Joumar Ngeloy. Laissez les enfants, laissez-les faire ce qu'ils veulent. N'insultez pas la Joumar. Toute personne qui aime IFDG se vit à tout donner à ce parti. Se vit à tout donner. Même si tu ne dis pas qu'il t'a tout donné, toi, en politique, mais tu dis qu'il a tout donné à l'IFDG. Maintenant, quand
quand toi tu dis ça, une autre personne sort, il insulte mon père. Je ne vais jamais sortir t'insulter parce que toi tu as fait ce que tu peux faire. Ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas tes enfants. Donc tu ne peux pas dire aux gens de ne pas nous insulter. Mais tu voyais toute personne qui venait nous insulter. Ils disaient ton nom. Ils disaient le nom de ton parti. Une fois, deux fois, une personne, deux, dix, trois, quinze. Tu vois n'importe, tu vois toute personne que tu voyais, il vient, il dit c'est le l'IFDG. Donc je me dis d'accord. Donc tout ce qu'ils font là, comme c'est à cause de toi. Et tu es sur Facebook, tu vois tout. Ta famille est sur Facebook, ils voient tout. Personne d'entre eux, le parti, personne n'a condamné. Dire, il ne faut pas insulter là, je m'arrête là. Tu penses que moi j'allais m'asseoir insulter, repliquer à tous les jeunes jeunes. Je n'allais pas le faire, même si on m'insultait jusqu'à demain. Je n'allais jamais t'insulter, insulter tes parents. Je n'allais jamais le faire. Donc il y a des gens sur Facebook, c'est des poisons. Il y a des gens sur Facebook, ils n'aiment pas la paix. Il y a des gens sur Facebook, ils veulent s'enrichir sur ton dos. Il y a des gens sur Facebook, ils font leur business avec toi, c'est Loudal et moi, Fatunielle. Mais moi, je les ai dit, moi, c'est fini ça, cette opportunité-là, je ne vais plus jamais les donner. Parce que c'est quand moi, je m'attaque à toi, qu'ils vont sortir parler. Donc, si je ne parle pas de toi, je ne t'attaque pas, je n'attaque pas le comment je vais dire, l'IFDG. Je pense qu'ils vont s'occuper actuellement. Ils vont s'occuper après de l'essentiel et puis me laisser. Donc sincèrement, je suis venue faire ce direct parce que le monde sait qu'il y avait trois plaintes. Tu avais deux plaintes, toi, monsieur Seloudan Ndiallo, contre moi et mon frère. Et puis la plainte de ta famille, qui sont tes cinq sœurs. Voilà. Et donc si tu as retiré, tu as désisté, je vais publier après le document sur, je sais pas, sur la page et tout, le document de ton désistement et tout. Sincèrement, je vais droit aussi, c'est de mon devoir de m'asseoir ici aussi, informer l'opinion nationale et internationale et mes frères et sœurs, les personnes qui se souciaient pour moi, parce que c'est cette plainte, tout est venu là. C'est le mandat d'amener là, tout est parti dans cette plainte-là. Contrôle judiciaire, tout c'était dans cette plainte-là. Donc si tu as désisté, je dois venir dire au monde entier que tu as désisté à cette plainte. Et moi, Fatou, je te dis un merci, vraiment merci beaucoup. Et voilà, je suis contente parce que trois plaintes, quelque chose qui était à trois plaintes aujourd'hui, c'est deux plaintes. Eh, Astaghfirullah. Ah, trois plaintes. Il y a eu deux. Sur quoi? Il y a eu désistement. Ça reste un. Et la plainte qui est là-bas, là, ça reste une plainte. Donc, la plainte qui est en ville, déjà, moi, je suis ici. Le droit me dit, me permet de rejeter, d'accord? De rejeter la décision du juge. On recommence. Et si on dit, si c'est le droit qui a été dit, d'accord, si c'est le droit qui a été, on dit le droit, je serai condamné pour injure publique, ça c'est obligatoire par le ministère public et tout ça, c'est les injures publiques, même s'il n'y a pas de plaignant, ça c'est le rôle du parquet, le ministère public de condamner les injures publiques, et voilà, sursis. Pour un début, on te dit de ne plus refaire. Maintenant, la prochaine, quand tu fais entre-temps de la date de limite qu'on t'a dit, de ne pas le faire, et puis on t'envoie en prison. Voilà. Donc, et j'espère, ce qui concerne aussi ta famille, si ta famille était fâchée, c'est normal, c'est tes soeurs. Personne n'aime la façon dont ta famille est fâchée et frustrée, là. C'est la même chose que toute ma famille est fâchée, frustrée, de fait que mon papa aussi a été insulté. Ma mère a été insultée. Je ne suis pas la seule fille de mon papa. Nielo n'est pas le seul fils de mon père. On est beaucoup, on est nombreux. Donc, mes frères et sœurs aussi sont fâchés. Mes oncles, mes tantes, ma famille, tout le monde, nos voisins, nos connaissances, toute personne qui ont connu mon papa est fâchée. Est fâchée. De fait qu'ils ont entendu les injures contre mon père aussi. Donc, si ta famille est fâchée, et elles sont fâchées, tes soeurs, et de fait que leur papa a été insulté, et leur maman et tout, donc si eux, ils étaient fâchés là, je suis sortie, je les ai dit de pardonner.
Elles n'ont qu'à pardonner. Ta famille n'a qu'à pardonner. Personne n'aime voir ses parents insultés. Personne. Personne. Moi-même, je suis très forte. Je suis très forte parce que, regardez, des personnes sur Facebook, récemment, on a vu, quand ils ont insulté, quand elles se sont insultées en privé là-bas, il y a une qui n'a pas pu digérer. Elle est venue sur Facebook. Elle a démontré qu'elle pouvait aussi insulter. Chacun de nous peut insulter. Moi, je sais insulter. Il y a des mots que je peux dire, mais Dieu m'a toujours aidé. Il y a des mots qui ne sont jamais sortis dans ma bouche. Il y a des injures là. Je me suis toujours concentrée pour ne pas que ça sorte de ma bouche. Parce que Facebook. Donc ono nyang je vais profiter onon be yaho be coupe vidéo di himbe di hoyreji fedduri e balde do ko Facebook bay tumbe supprimé kanko yennu do ngo supprimé onon kadi ye supprimé itte ko goddo yenni kon ko page gi acce na hay kon be na hay mobe o yadem kadi ko yenna kon taw dun non no musi andi ton kadi yennu don kadi o yenna do dago mo accepte de no metti goy mais image yenn do mburi kanude mobe on do be si yidu no harano musi donc ye iton kodo no mi ala e pula donc hare donc anji yave hare no di plant di katika plant didi ala di sellu hande min nay mo ala di sellu parce ma monsieur sellu dale d'accord plant di intati andi ari goto no dixin e goto sare din don didi ko elage sellu dale portuno e importuno di e goton sare kon kadi fami makko donc don andi ko mo dixino wanno manda damene on ko don manda damene on wadano e tu e hare mo sup mo retiri on non kadi deja o mo sare on yino dum don retiri o mo sare kanko donc ari heddike mo dixino ni mo sare on dixino kanko mo sare on fami makko donc hare o mo dixin kadi hande o supprimim e o supprimimo o retirimo oye be retiri plainton et tout donc haray ko innugol mo merci parce que plainte tati ko wonno wonti goto hein ko joni heddi ko fami ma konkon vraiment otigno welti yande parce que ko faire justice ni otig lutta tatu ne e jindugol e der justice son couloir justice donc sa woni plainte ji tati di lan yeyi ha heddi ko plainte goto haray otig ko innugo alhamdullilah welto et puis inaka di merci mi jarna hanno monsieur selwandi mi woti selluda monsieur sellu dalen kako alaji okay alaji alaji sellu e dalen jallo innamo merci innamo o jarama e kako inna be e jarama ko minu bene okay e hala inna alaji alaji sellu em e jarama ko be retiri plainte mabbe on dixin contre ousmane ngelo jallo e min fatou ngelo fatmata binta jallo donc aray donc arrête que d'un mini merci beaucoup mini merci et tout donc on dit maintenant que Facebook là que il me dit que j'ai un nom à bébé da butu que il me veut Allah ida yalla Allah ida Allah ida ve nula falak que il me veut Allah n'y a bim bébé ida butu il me ça a tout ce que be ukete ça que ça a tout be buri iblisa parce que c'est à tout que ben à voir et puis quoi la tige nous la roida donc même ha jang la mon mi tokta ko mi jabota ko hay piji mon noton fami jokke don e kadi ko ni hakuna en sel concerto de la min terto de men sel de men jokke ko jokki on ko Facebook terto don men ton voilà o ha baka o piaka o jejaka ko kanko jodi mi giti o tawi nandi way ko ko wadi do na ko hani hana namo haisna kote fi tay mo fala lamu goy nago hara fi yindu gol wem do fala lama de lendi no mo andi hawra namo fota namo labanaka mo parce que kanko e babe ngam e yidi dirno be yidi diri be holo diri ko labi pas hana ben fejini ni mo andi kadi ko mayde ben waddi men ko bay o yakade ko yahani kon goy voilà donc ko woni hakuna me sellu kon akide me sellu si do yidi sellu
terte ko hakkuni kon hakkuni amen sello no andi nene an mo andi no benga mo andi fami on fap mo andi ko yata o yiya ko honnum seko mo andi honto yata wola fi amen mo andi simo fala gere wonde hakkuni amen de lannu mo andi ko honnum o duwa wadde de lanna donc torte hakkuni amen ko woni hakkuni amen ko woni hakkuni amen yalte accide amen o ngandame naw no ngollindiri men on tawdumen donc si hande o yimo ngandimo feno ko Facebook ko donon ko don andi dirlo woɓɓe makko mon ha hande hay yalimo ha hande goddo e mon hay ha hande goddo e mon hay yalimo ha hande on yalimo on fami donc ko woni hakkuna men kon jog bon kon la ngandi bay wolon parce que ko business mo ngonno ko dun no woni business mo ngon. Voilà. Donc, on ne me pose pas de conditions. On ne me pose pas qu'est-ce que je dois faire. Ça ne marche pas avec moi. Vous avez compris ça? Celle-là n'a pas été forcée. Il n'a pas été moi. Je ne l'ai pas demandé pardon. Quelqu'un n'est pas allé le voir pour qu'il retire sa plainte. Il a fait de son propre gré, il a retiré sa plainte. Donc, c'est quelque chose à remercier. Moi, je suis contente parce que il l'a pas fait sous pression aussi. Il l'a pas fait parce que peut-être moi j'ai demandé. Moi-même j'avais dit dans un direct, je dis la plainte qui est à Dixin là, de garder même la plainte là. Quand je vais aller en Guinée, je vais aller répondre. Celui de Dixin, ils ont dit que c'est sa famille qui a porté ses soeurs. Si c'était le droit, c'était une plainte qu'on devrait rejeter. Et d'ailleurs, vous avez tout le monde a vu ce que le juge a dit. Le juge est sorti et le procureur a dit que son parquet n'est pas un règlement de compte. Donc, il va nous relâcher. C'est ce qu'il avait dit. Mais après, Bala a appelé, a intimidé. Il a demandé à ce qu'on nous condamne. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la famille de ces Loudalais. Donc, moi, je ne vais pas les accuser dans ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ce que je dis. Avec eux, là, elles étaient fâchées. Ses soeurs et frères qui étaient fâchés, là. Moi, je suis sortie, j'ai demandé pardon à ses frères et soeurs. Je l'ai fait, je ne regrette pas. Je ne vais jamais regretter, je l'ai fait parce que c'est ce que ma mère m'a demandé de le faire. Donc, c'est elle. Et ça, je ne le regrette pas. Et je ne vais jamais, je dis, moi, quand je fais quelque chose, je ne regrette pas. Le pardon que j'ai demandé à Bala pour les injures, je ne vais plus jamais insulter Bala. Je l'ai fait, je ne le regrette pas. Moi, quand je fais quelque chose, je ne regrette pas. Parce que souvent, pour faire quelque chose, on me demande de le faire. Donc, je fais plaisir à la personne pour le faire. Par exemple, ma mère était très contente parce que pour elle, on l'a fait croire. Il faut que je demande pardon à la famille d'Alain. Quand moi, je demande pardon à la famille d'Alain, il faut que ce soit moi. Sinon, ma mère, il y a combien? Vous savez le lien qui est entre la famille d'Alain et notre famille, il y a des liens là-bas, il y a des liens comme ça, raccommodés. Il y a beaucoup de liens. Donc, ils peuvent aller. Mais eux tous, là, ils ont dit que le problème, que c'est moi, que je dois sortir, demander pardon à la famille d'Alain. Que c'est quelque chose que moi, je ne vais jamais faire. Donc, ils ont tellement embobiné ma mère, quand elle m'a appelée, je sais ce qu'elle m'a dit. Je dis, c'est tout ce que tu veux, je vais le faire pour toi. Et je ne le regrette pas, je l'ai fait pour ma mère, j'ai demandé pardon à la famille d'Alain. De pardonner et de reculer leur plainte, parce que je sais, ce n'est pas leur plainte qui maintient Ousmane Yelou. Sinon, pourquoi attendre jusqu'à ce que on le condamne là-bas, maintenant on accorde une liberté provisoire d'une autre plainte, parce qu'il veut juste encore mettre tout. Moi, je ne vais jamais accepter. Ce n'est pas parce que j'avais une haine contre les gens là que ils vont encore prendre des choses, mettre sur eux, j'accepte, je refuse, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne entre moi et Dieu, ce que Dieu connaît là, la vérité là, c'est ça. Donc, c'est deux personnes qui détiennent Ousmane. Moi, je sais, ce n'est pas la famille de Dalin, c'est Bala Samoura et Doumbouya qui détient Ousmane Nyeloy. Rien d'autre, hein, c'est les deux là. Donc, moi, je n'en veux pas d'autres personnes, je n'en veux personne, je n'en veux pas la famille Dalin. Donc voilà, et j'espère que aussi ils vont comprendre et tout, parce que déjà leur frère qui avait sa plainte, ses deux plaintes, il a retiré et tout, et on espère que la famille va comprendre, ils vont retirer. Sincèrement, même si les gens là ne retirent pas, wallahi billahi tallahi, je ne suis pas fâchée contre eux, je ne serai pas fâchée, parce que je sais, ils retirent, c'est bon pour eux,
Le monde saura ce que j'ai dit. Moi, je ne mens pas. Tout ce que je dis, hey, moi, quand je parle, vous allez voir, il suffit juste question de temps. Il suffit juste question de temps. Parce que pour la plainte dont je parle là, on avait dit que ça n'existait pas. Maintenant, on a vu aussi que ça existe parce que j'ai sorti les documents de contrôle judiciaire. Et aujourd'hui, le document est sorti, il a retiré. Je ne parle pas pour parler. Il faut juste le temps pour me donner raison. Donc, si la famille de Dalin aujourd'hui, il retire, c'est une très bonne chose. S'il ne retire pas, moi, je ne suis pas fâchée parce que je sais que ce n'est pas eux. A suspendu. J'ai vu un message dans un de notre groupe là. Mais est-ce que c'est vrai? Faut pas que je mange, je suis en direct ici parce que je n'aime pas mentir. Si Balla Samoura est suspendu, il doit être limogé. Balla Samoura doit être limogé. Balla Samoura. Attendez, parce que faut pas que je. Je ne sais pas. J'ai vu un message dans le groupe. Balla Samoura est suspendu. Bon, j'ai vu, j'ai lu, je ne sais pas, je ne confirme pas. Mais on a un groupe ici, le groupe là, on dit tout. Quand c'est rare qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies. Donc, mes amours, je vais vous laisser pour mieux me renseigner.